السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Aujourd'hui, on va s'intéresser pour la lecture sur table d'un calculateur Autoliv Renault 610 90 46 00 avec Delphi ou Wow. Et puis après, on va utiliser son logiciel. J'essaye de parler en arabe et en français en même temps. Pour les gens, voilà, c'est qui ne parlent pas arabe et vice-versa. Donc, Smhulia, le domaine de le diag. Donc, j'ai cherché partout pour savoir comment faire la lecture après avoir enlevé un crash ou alors déjà savoir l'état du calculateur. Donc anahnaya hada huwa borné nta le calculateur. Donc on va avoir besoin de 4 fils. 4 fils, هذا هو البورنيي. درت هنايا هنايا sur papier. Donc غنحتاجو في le pin 11 غنحتاجو الكان هاي 6. درت هنايا هي اللي غتجي في المال نتاع الاو بي دي نتاع الواو. من بعد après dans le 10, enfin, pin 10, can low, ou le 14, atmchi le can low, atmchi le 14, t'as le pin low. On va avoir besoin, à l'inhtajo, 12 volts, le pin 7, t'as le calculateur, ou le pin 16, t'as le mal, t'as le low. Prise OBD, كتجي هنا هنايا في البين كنقراو المقلوب على حساب par rapport à la femelle qui est dans la voiture. Donc on commence par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Donc من بعد on va avoir besoin ground les rois le masse bien sûr le pin 18 dans la pin 18. On va dire avec vous en live parce que j'ai cherché partout donc j'ai galéré. Après il y a une illustration de l'OBD, donc déjà pour comprendre ce que schéma enfin j'ai expliqué tout à l'heure. Donc le 4 ou la masse c'est la OBD, la masse interro canhai on va la mettre dans le 6, le 14 le canlai ou 12 bien sûr va démarcher le pin 16. Donc moi, j'ai qu'une batterie, enfin j'ai une batterie de 2 volts, juste pour essayer. Donc on va s'équiper petit à petit, mais pour l'instant, voilà quoi. Donc c'est suffisant, 2 volts, tout ce qu'il nous faut. Alors les fils, on va avoir besoin de ground, can low, ou plutôt can low. Can high, s'en fout, le plus, donc le plus, les branchements de tarot, donc il y en a un qui va partir au calculateur et l'autre à l'OBD, c'est pour ça que j'ai mis DERT, juge sous des trônes avec la gaine thermo-rétractable. Bon, c'est pas facile avec une seule main, mais bon, on va y arriver. Là, je vais brancher
Le plus. Plus Fulpin 16. Ouais, si je vais essayer avec. Alors, Fulpin 16, elle est là. Là. Regardez, l'OBD, enfin, il n'est pas allumé. Enfin, le. Appareil de diagnostic. Wow. Heda, celui-là, on va le laisser pour le plus du calculateur. Après, le moins, je branche à la batterie. Il y en a deux, pareil. Il y en a un qui va partir au calculateur et l'autre à l'OBD. Donc, ici, on va le brancher sur le 4. Regardez de suite là. Voilà, tic. Là, c'est allumé. C'est allumé l'appareil de diagnostic. Après, on a dit le ground, c'est dans la pin 18 au niveau du calculateur. Le ground ou la masse. D'accord? Donc, la masse ici, c'est la pin 18. Donc, là, on calcule, enfin, on compte quoi. Donc, j'ai un peu de lumière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, c'est là. Alors, 18, c'est ici. 18, il est là. D'accord. La masse, 12 volts, 7, pin 7. C'est pareil. Alors, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va la brancher là. Donc voilà, ici on a le plus et le moins. Après, on va prendre le canlay. On m'a dit c'est dans le 10 du calculateur qui va sur le 14 de l'OBD. Alors 10, 7. Attends, je vais essayer de vous montrer un peu plus. 7. 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Bon, c'est pas facile. 7, 8, 9, 10. La vidéo, je peux pas faire les branchements avec une seule main et filmer. Donc voilà, là les branchements. Donc comme sur les schémas là-bas, le 16 sur le 7 de calculateur sur 12 volts, 10 sur can low et le 11 sur le can high ou 18 sur le ground. Maintenant, enfin les branchements après c'est pareil. Donc ce que j'ai fait. J'ai pris le plus donc sur le 16, donc elle est là. Le 14, Falcon Low, ou 6, Falcon Low, Falcon High, pardon. Ou le 4, Dernier Fair Ground. Regardez ici, Delphi. Ou l'Autocom, c'est pareil. Hein. Donc c'est un calculateur de Renault. Comme on a dit, Autoliv. Donc Renault Scénic 2 2007-2006. Plutôt 2007. Donc là, on va choisir limitation. Limitation. Coussin gonflable. Diagnostic. Là, on va lancer la recherche des défauts. Donc là, ça commence.
La lecture, ça communique bien. Ici, pareil, en train de chercher. Voilà, la communication est établie. Là, lire les défauts. Donc là, bon, enfin, c'est un calculateur quand même qui a pas mal de défauts là-dessus. Il a pas mal de défauts, donc même si j'efface, ça va rien changer. Donc voilà, ça permet de voir les défauts qu'on a, si on est amené à réparer un crash et de voir s'il est bien levé, si l'état du calculateur il est resté intact ou bon, voilà quoi. Donc ça arrive des fois là qu'on crame des calculateurs juste en enlevant le crash si on ne le fait pas bien. Donc il faut faire attention à ça. Enfin, la meilleure manière, c'est d'enlever les proms et de le lire indépendamment et après d'enlever le crash avec les outils adaptés, les logiciels aussi pareil. Donc là, même si je fais efface défaut, voilà, effacement impossible, déco défaut. Bon, pour l'instant, on s'en fout. Ce qui nous a intéressé jusqu'à maintenant, c'est de savoir lire un calculateur d'airbag sur table. Donc voilà, on a besoin de 4 fils. 12 volts, can lie, il can high, ou la masse, ou la ground, et une batterie. Voilà, 12 volts. Et pour les gens qui sont équipés d'un appareil de 12 volts continu, donc voilà, ça prend moins de place. Mais bon, moi j'ai de la place. Je voulais juste partager avec vous tout ça parce que j'avais galéré là pour trouver. Bon, merci de m'avoir écouté. C'est ma première vidéo, excusez-moi là si c'était pas trop clair. Bon, j'ai essayé de faire le tour. Si vous avez une question ou des questions, n'hésitez pas pour les schémas. N'hésitez pas de mettre un like. Ça va m'encourager pour faire d'autres vidéos. Et on est là pour partager les connaissances. Donc voilà, personne n'est parfait. On apprend tous les jours. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Kamaakum Yahya. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.